Dix journées qui ont fait le Québec, ces dix dates-clés qui vous permettent de découvrir les grands moments de notre histoire. Aujourd'hui, l'écrivain, dramaturge, directeur de théâtre, conférencier et grand raconteur Jean-Claude Germain nous ramène à la fondation de Montréal, à ce jour du 17 mai 1642 où une fièvre des et une société secrète réussissent à donner naissance à notre future métropole. Je vous prie d'accueillir chaleureusement Monsieur Jean-Claude Germain. Jean-Claude Germain qui nous ramène à ce jour du 17 mai 1642. Monsieur Germain, à vous la Merci. parole. Alors, euh, mesdames, le féminin inclut le masculin. Ce qui était. Ce, ce qui était sûrement pas le cas en 1642, mais l'idée était dans l'air. Des fois, ça prend du temps. <laughs> Lorsqu'on invoque le passé, proche ou lointain, c'est une erreur de perspective de croire que les ancêtres sont les anciens et que nous, nous sommes les genoux. C'est même le contraire qui est juste. Par rapport à eux, nous sommes les vieux et par rapport à nous, ils sont notre jeunesse. Ne sommes-nous pas la somme et la mémoire de ce qu'ils ont été? Là d'où ce qu'on venait, c'était ancien. Puis là d'où ce qu'on est arrivé, c'était ancien aussi. Au fond, tout ce qu'il y avait de nouveau ici, c'est nous autres, c'est le nouveau monde, comme on pourrait dire. La métamorphose du Français de France en Canadien s'est effectuée beaucoup plus tôt qu'on ne le croit généralement. Souvent dès la première génération. Charles moyne, Pierre Boucher, Nicolas Perrault n'étaient plus français que d'origine. En tout cas, si ce n'était pas le cas, ce n'était pas évident pour ceux qui étaient devenus Canadiens. Ça l'était pour tous ceux qui ne l'étaient pas. À peine quarante ans après la Fondation de Montréal, tous les voyageurs s'entendent pour parler des Canadiens et décrire leurs caractéristiques. En 1686, le chevalier de Troyes a été commissionné pour commander une expédition militaire dont font partie, entre autres, les frères Lemoine, d'Hiberville et de Maricourt. L'officier se pose une question qui est déjà pertinente. J'ignore si les Canadiens accepteront facilement d'être dirigés par un Français. confie t à son journal. Il avait compris que pour monter une attaque, attaquer les Anglais à Baie-Dudson par voie de terre au printemps, il ne suffisait pas de donner l'ordre de marche. Dans le livre « La Nouvelle France, les Français en Amérique du Nord, 16e et 18e siècle », l'historien Jacques Mathieu explique que dans les domaines administratifs et militaires, il se développe une très, très vive compétition entre les Français et les Canadiens pour l'obtention de postes ou d'honneurs. La distance paraît aussi large entre les individus qu'entre les nations. Mathieu… Raconte aussi que si au premier temps de la colonie, le terme « canadien » se réfère aux Autochtones, dès 1645, c'est-à-dire dès la création de la communauté des habitants, l'appellation « canadien », tout comme le commerce du castor, est réservée exclusivement aux gens qui ont fait souche, qui se sont établis à demeure, qui sont considérés comme des hivernants, des domiciliés, des habitués au pays. Bref, ce ne sont déjà plus des Français. La mutation du français et au Camaïen s'est produite trop tôt pour en noter l'heure, le jour, ou la date. Les anciens eux racontaient que ça, là, ça, ça, ça s'était produit, ça, après avoir survécu au premier hiver grâce aux Indiens. Le mode de vie demeure la première différence entre un français et un Camaïen. La seconde est la langue. Pas une variante d'accent, mais une différence profonde dans son usage. Ici, dès le début de l'établissement, la langue française sera la langue commune, longtemps avant qu'elle remplisse le même rôle dans la mère patrie. Ici, toute la société s'est exprimée en français du gouverneur à l'esclave dès le premier établissement à Québec en 1608. Pour quelle raison La plus évidente. Ceux qui faisaient usage des autres langues de France n'ont jamais été assez nombreux pour remettre en question la langue commune. Bref. La langue qu'on pratique encore aujourd'hui est le, je me souviens, indélébile de ce que nous avons été. C'est l'élément constitutif de notre être collectif, de notre originalité et de notre identité. Pour nous lire à la québécoise, dans les premiers temps, nous disposons de deux sources principales. Les écrits des jésuites et ceux des récollects sont des franciscains. Deux ordres religieux qui diffèrent autant par leurs fondateurs que par leurs règles. Le regard que chacun porte sur la nouvelle réalité est tributaire de son approche du monde, abstraite dans le cas des disciples d'Ignace de Loyola et empathique pour ceux de Saint-François. Pour les Jésuites, leurs pupilles amérindiennes sont de la pâte à modeler. Dans les commencements de cette Église naissante, ne pouvons-nous pas nous pouvons, que pouvons-nous raconter sinon des bégaiements de nos enfants spirituels écrit Jean de Brébeuf en 1636. Tous viennent volontiers nous entendre, mais ils n'ont quasiment rien à nous répliquer. Nous souhaiterions quelquefois qu'ils nous proposassent plus de doutes. Le mal est qu'ils sont si attachés à leurs vieilles coutumes que, connaissant la beauté et la vérité, ils se contentent de l'approuver sans l'embrasser. Finalement, ce pas si bête de leur part de ne pas poser une question à Jésus, parce que vous savez, si vous posez une question à Jésus, il vous, vous répond pour une autre question mais vous n'en sortez pas. <laughs> Tout autre est l'œil des récollets qui se regardent moins le nombril. Dans son grand voyage au pays des Hurons, le père Gabriel Sagar accorde le bénéfice de l'intelligence à ses interlocuteurs. Tous les sauvages, en général, ont l'esprit et l'entendement. Ils ne sont pas si grossiers et si lourdeaux que nous imaginons en France, note-t-il en 1632. Toutefois, ils sont un peu saturniens. Ils parlent fort, posément, comme se voulant bien faire entendre, et s'arrêtent aussitôt en songeant un grand espace de temps, puis reprennent parole. Cette modestie, commente un sagar amusé, est cause qu'ils appellent nos Français femmes, alors que, trop précipités et bouillants en leurs actions, ils parlent tous à la fois et s'interrompent l'un l'autre. Malheureusement, ce ne sont pas les récollets qui ont été élus à Paris. Pendant 40 ans, de 1632 à 1673, les relations des Jésuites ont dominé le palmarès des best-sellers de la librairie Cramoisie. C'était le nom de la librairie. Le projet de Ville-Marie est né dans les pages d'un livre et son emplacement a été choisi sur une carte. Tout cela était abstrait comme un rêve de jésuite et enthousiasmant comme le désir de mourir pour sa foi. Pour toutes celles qui dévorent les relations comme un feuilleton, le Canada n'est-il pas l'endroit où l'on peut se faire scalper le plus rapidement au monde? Avec la recul et la mise au foyer de notre temps, l'histoire de la Fondation de Montréal apparaît dans toute sa singularité. De la, de la mise en œuvre du projet à sa réalisation, c'est en grande partie une histoire de femmes, à commencer par le premier rôle de fondatrice, elle, la fondatrice elle-même, Jeanne Mance qui incarne la femme moderne de 1640. Les femmes de cette période traversent une crise d'identité. Traduit en clair aujourd'hui comme hier, ça veut dire que pour se libérer de la triple servitude du mariage des grossesses et des devoirs conjugaux, elles contestent la prédominance politique, économique, culturelle et sexuelle du mâle. <laughs> L'unique alternative dans les circonstances du temps était le célibat religieux. C'est un choix radical, mais éprouvé. Consacrer sa vie au service de Dieu s'avère alors le meilleur des investissements pour se garantir une certaine dose d'autonomie personnelle. Laquelle est encore plus grande lorsque les femmes qui la revendiquent disposent d'une indépendance de fortune, comme c'est le cas d'un bon nombre de celles qui gravitent autour du projet de la Nouvelle-France. En 1640, le désir d'émancipation des femmes ne se limite pas aux dévotes. L'éveil féministe date déjà du salon de la marquise de Rambouillet, vingt ans plus tôt. Puis en 1660, le mouvement reprit assez d'ampleur pour qu'on sente le besoin d'en minimiser l'importance et d'en occulter les pro le propos. Les précieuses étaient sûrement exaltées, maniérées, hystériques et risibles, comme on les a caricaturées, mais leur grief n'était pas aussi ridicule que Molière l'a laissé croire. Les précieuses sont des féministes classiques. En révolte contre le joug et la tyrannie de l'homme, elles revendiquent le droit de la femme à disposer d'elle-même. Les radicales défendent l'union libre et la variété des expériences amoureuses, mais les pragmatiques sont plus réalistes. Convaincue que la réforme du mariage n'est pas pour demain la veille, elles s'emploient à métamorphoser l'amour vulgaire <coughs> en parfait amour. En le purifiant de toutes ses scories masculines, autrement dit tout ce qui est bas, grossier et charmel. Dans les Relations des Jésuites, écrites en 1642 sur ce qui s'est passé de remarquable en Nouvelle-France, on peut lire ceci sur la nouvelle façon de se rechercher en mariage. On a dit autrefois qu'un sauvage païen, faisant l'amour à une fille, l'allait voir la nuit, il lui demandait en secret si elle l'avait pour agréable. Si la fille répondait qu'elle ne voulait pas se marier, le jeune homme ne passait pas outre. Si elle répondait qu'il ne fallait pas s'adresser à elle pour cette affaire, il faisait ses poursuites. Or, comme nous avons puissamment crié contre cette façon de faire, poursuit le jésuite, les chrétiens l'ont condamné, si bien qu'ils s'adressent à nous pour demander une fille. Nous sommes bien loin des précieuses de l'Europe. Les précieuses sont aux antipodes de celles qui préfèrent les Dino machos de leur temps. Dans le credo précieux, le premier devoir du mari acceptable, et d'inviter les amis de sa femme à sa table. C'est l'ancêtre de l'homme rose. <laughs> les dévotes sont plus radicales, elles imposeront un vœu de chasteté à leur mari. <laughs> Lorsque Jeanne Mas débarque à langue nat de son langue natale à Paris, elle est célibataire. Elle a 36 ans et rêve de faire quelque chose de sa vie par elle-même. La provinciale possède toutes les qualités requises. Pour entreprendre une carrière dans le bénévolat communautaire. Elle est motivée par sa dévotion, elle a de l'entregent et c'est une leveuse de fonds née, aujourd'hui après des télétons. Le <laughs> de temps d'une géniflexion, d'un panthère et de trois avés, elle a débusqué une tâle de veuves auxquelles leur veuvage a donné les moyens de leurs bonnes œuvres et de leurs ambitions mystiques. Le carnet d'adresse de Mlle Mans laisse Pantois. Tout le gratin du bottin féminin de la Cour de France s'y trouve en tête, avec en tête de liste la reine Anne d'Autriche, bientôt veuve, la Duchesse d'Aiguillon, veuve et nièce du cardinal de Richelieu, dont elle tient le Salon, la princesse de Condé, veuve et mère du Grand Condé, la Duchesse de Longueville de la grande demoiselle, et du prince de Conti. On est, en, on est dans le gratin en haut. Là. À ces dames de grande influence, il faut ajouter la crème de la noblesse de robe. La présidente Lamoignon, hein, son mari est le président du Parlement de Paris, et la chancelière Séguier, dont l'époux a instruit le procès de Saint-Marc, c'est président celui de Fouquet. Puis les filières des votes, la filière des votes, avec Mme de Ranty, bientôt veuve du supérieur de la compagnie de Saint-Sacrement, et Marie Rousseau, veuve et bienfaitrice de M. Aulier, fondateur des Sulpiciens, et de Vincent Paul, fondateur des Lazaristes et membre du Conseil de conscience créé par l'homme d'Autriche. On est dans le beau monde, là. Sans oublier deux veuves d'importance qui ont précédé Jeanne Mance en Nouvelle-France, Madame de la Pelletrie, bienfaitrice des Ursulines, et Marie Guillard, dite de l'incarnation, fondatrice du couvert des Ursulines à Québec. Parmi toutes ces femmes, dont la plupart sont cousues de fric, il y en a une qui a plus de raison que les autres de se sentir coupable de l'argent dont elle a hérité. À son décès, le mari de Marie-Angélique de Bullion, lui a laissé... Si vous connaissez des rues de Montréal, je le dis, parce qu'ils ont des rapports avec ce monde-là. Alors, à son décès, le mari de Marie-Angélique de Bullion lui a laissé 700 000 livres de rente annuelle. Bon, de son vivant, Claude de Bullion était surintendant des finances. Et il en a profité pour amasser une fortune personnelle de 8 millions de livres. À cette époque-là, quand tu étais ministre des Finances, tu n'y es pas avec la Tu volais tout de suite, bon, je veux dire... Je, 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 Monsieur de Bullion n'avait que deux passions dans l'existence, l'argent des autres et leurs femmes. Petit de taille, les mauvaises langues laissaient entendre que c'était un défaut compensé par une autre qualité. Un petit chien longue queue, t on de lui. À cet égard, Marie-Angélique, surnommée la grosse madame, s'était fait une raison. Ce sont les longues mains de feu Claude de Bullion qui préoccupent sa conscience. Surtout depuis que le notaire de son mari lui a remis une caisse noire dont le surintendant avait confié la garde à la circonspection du tabellion. C'est à ce moment que le chemin de mademoiselle Mance croise celui de sa future bienfaitrice. Une rencontre providentielle. <laughs> C'est un mot qu'on retrouve constamment dans le vocabulaire des dévots. Plus prosaïquement, la cause de Ville-Marie tombe à point nommé dans la vie de la veuve de Bullion. Marie-Angélique se laisse gagner par l'enthousiasme de sa nouvelle protégée et convaincre d'apporter un appui financier à son projet de fonder un hôpital sur l'île de Montréal. La bienfaitrice du futur Hôtel Dieu n'a qu'une exigence sa contribution doit demeurer anonyme. Un souci de discrétion qu'on explique généralement par un excès de modestie. C'est un peu cousu de fil blanc pour justifier des versements clandestins en argent sonnant. Pourquoi toute cette mise en scène? Les porteurs de la chaise de jeanne mans ont remarqué qu'à chacune de ses visites chez la de leur cliente était toujours plus lourde de silhouette et de poids au retour qu'à l'aller. La grosse madame aurait voulu sanctifier les fonds secrets de son mari en les associant à une noble cause qu'elle n'aurait pas procédé autrement. Avec le temps, cette opération de blanchiment dévot va atteindre la de somme de 65 000 livres dans le livre sans frontières quatre siècles de soins infirmiers canadiens on peut lire ceci si les hôtels-dieu sont des institutions médicalisées et vouées aux soins des malades dès le xviie siècle il importe de préciser la perspective générale qui donne sens au travail des religieuses et à la vie de l'institution c'est-à-dire celle de l'au-delà s'il y a une volonté manifeste de guérir le corps il importe avant tout de sauver l'âme cela signifie que la dimension spirituelle de leur action prévaut sur sa dimension temporelle. Elles vont à la conquête des âmes par l'hospitalisation. De même, leur action soignante repose sur une conception de la maladie et de la médecine de l'époque, où Dieu, plus que quiconque, avait son mot à dire dans le processus de la guérison. Pourquoi un hôpital pas qu'un couvent Pose hein? la question. Parce que l'hôpital est une obsession de la compagnie du Saint-Sacrement une société secrète qui contrôle la société publique Notre-Dame de Montréal, qui a obtenu la concession de l'île. La Compagnie du Saint-Sacrement est une sorte d'œuvre de Dieu, d'opus-DI, fondée par des bigots de haut rang avec la complicité du pouvoir royal. Son but est de combattre l'impiété, l'immoralité et le protestantisme. En pratique, ces adeptes ne sont pas d'abord à repérer autour d'eux les dissidents, les déviants, les fous, et ensuite à les dénoncer au pouvoir royal qui s'empresse aussitôt de les allier dans des hôpitaux qu'un membre du Saint-Sacrement, Vincent de Paul, a créé précisément dans ce but. À l'Hôpital général de Paris, à ce moment-là, il n'y avait pas de médecin en place. C'était un asile. Et ensuite, c'est un endroit qui est un peu difficile parce qu'une fois que tu es dedans, tu ne peux pas en sortir. Parce qu'il mis en prison, il a trouvé peut-être un pouvoir légal possible, mais là, vous étiez directement en relation avec l'autorité du roi. Tous les associés de la Société Notre-Dame de Montréal ce sont des compagnons de route ou des membres influents de la cabale des dévots. Parmi ces derniers, on compte Jérôme Leroyer de la Dauversière, le créateur du mouvement apostolique de Montréal. Son complice, le baron de Fancamp, M. Ollier de la Ratoire Saint-Sulpice. Le baron de Ranty, le supérieur de l'Assemblée parisienne de la Compagnie du Saint-Sacrement, dont relève 50 filiales provinciales, c'est-à-dire partout sur la France. Et le prince de Conti, qui après avoir été le mécène de Molière, lui servira de modèle pour son tartuffe. Vous avez vu le film Molière de Mouchkine, là? C'est le fou à la fin, là, qui veut absolument… il n'est pas, pas possible. Il y a eu une vue de débauche, puis comme hein, il y a trop de débauche, à un moment donné, ça pousse à l'autre extrême, puis là, il est devenu un dévot. C'est donc tout ce beau monde qui s'apprête à fonder une cité missionnaire, Ville-Marie. Son promoteur le royer de la de la Douvres est un percepteur d'impôts de la flèche. Il a le don d'avoir des visions surnaturelles. Première, l'inciter à fonder l'institut des hospitalières de Saint-Joseph, et la seconde, à travailler pour les sauvages de la Nouvelle-France. Il a également la manie d'aborder les gens en leur déclarant mystérieusement, comme ce fut le cas lors de sa première rencontre avec Jeanne mars le ciel m'avait instruit de votre visite. Il aurait pu ajouter une péto avec l'aide de la filière jésuite du Saint-Sacrement. Dans l'atmosphère purifiée de la dévotion, tout est signe et prémonition. Il suffit de parcourir les écrits du temps pour s'en convaincre. On se courait dans une comédie New Age. Madame la Pelletrie est déjà en Nouvelle-France à cause d'un vœu. Marie de l'Incarnation à cause d'un rêve. Et la tradition va se poursuivre jusqu'en 1650 lorsque Marguerite Bourgeois accostera la maison lève en lui disant ⁇ Vous êtes celui que j'ai vu dans mon sommeil. <laughs> ⁇ Toutes ces femmes de rêve possèdent un jardin secret luxuriant. Freud n'a fait que confirmer ce que les confesseurs avaient déjà constaté depuis belle lurette. On ne refoule pas sa libido impunément. <laughs> Pendant que les dévots du Saint-Sacrement, qu'on pense par l'exercice abusif du pouvoir. Les dévotes s'adonnent plus discrètement à une vie intérieure intense, ardente et agitée, dont les transports érotico-mystiques frisent la pure lubricité. Marie de l'Incarnation n'est pas du genre à avoir des vapeurs. L'Ursuline est une maîtresse, mais vraiment une femme extraordinaire. L'Ursuline est une maîtresse-femme qui a les deux pieds sur terre, de l'humour à revendre et un gros bon sens à, à toute épreuve. En revanche, quand elle se retire dans l'intimité de sa cellule pour se recueillir, les paroles de ses prières semblent lui être soufflées par Sage Gainsbourg. Lorsqu'elle prie Marie, l'incarnation soupire, halète et s'éclate sur un rythme lassif qu'on imagine proche du célèbre Je vois et je viens, Je t'aime, moi non plus C'est Ah, mon cher bien-aimé, quand un seul doux instant, ton foudre me consomme, quand vous embrasserez-je nu et loin de cette vie. Amour, si tu voulais, avec toi, je m'en irais. Mon mignon et ma vie, mon délectable amour. Comme dans un clip, j'ai parti des paroles, des sont réels, mais j'ai fait des montage. <laughs> si à l'instar du rock'n'roll, la mystique avait ses vedettes, Catherine de Saint-Augustin serait incontestablement la Madonna de la Nouvelle-France. Elle est jolie, intelligente, aimable. À 11 ans, son idéal était de se joindre au rang des précieuses. Un an et demi plus tard, elle choisit de répondre à l'appel de l'habit et du cloître et consacre sa vie et son corps à Dieu. Lorsqu'elle pose le pied sur le sol du Canada en 1648, il n'est pas tout à fait 16 ans. Saint-Augustin est précoce en tout. Quand elle pousse une raison, c'est un clip érotique chuchoté sur un beat disco. « Au mon sauveur et au mon tout, si la demeure des noirs démons vous est plaisante dans mon corps, qu'ils y demeurent. Encore, encore, aussi longtemps qu'il vous plaira, ô oh mon Sauveur et ô oh mon Tout, je suis contente que tu me tentes. Bon. <rires> <rires> ah, voilà pour l'arrière-plan des motivations secrètes, féministes, religieuses, apostoliques et mystiques de Montréal et de la Nouvelle-France. Le passage de la fantasmagorie romanesque à la réalité sauvage de l'Amérique du Nord de 1641 s'avère aussi brutal que la traversée de Maisonneuve était interminable et hasardeuse. Elle lui a coûté quatre hommes et un chirurgien. Lorsqu'il rejoint Mademoiselle Mance à Québec, celle-ci l'attendait depuis près de deux mois. Il n'était pas loin de croire que le projet de fonder Ville-Marie avait sombré en mer avec son maître d'œuvre. Militaire de profession, Paul Chamédé de Maisonneuve avait toujours été plutôt dépaysé au milieu des soudards pailleurs de la soldatesque de son temps. M. Paul ne prend ni ne tire jamais un coup. C'est difficile tant qu'on est soldat. Son seul dévergondage est de jouer du lutte. C'est un bon gars, comme on dit. Pas du genre à s'annoncer par un signe du ciel, lui. Dans son cas, la recommandation du père Charles Lallemand, premier supérieur des Jésuites à Québec et procureur de la mission à Paris, a suffi à la Dauversière pour lui confier le poste de gouverneur de Ville-Marie, investi des pouvoirs de la Société Notre-Dame. Donc, on part du point de départ, là, que c'est une propriété privée, Montréal. C'est important pour l'histoire par la suite. Les futurs Montréalistes doivent prendre leur quartier d'hiver dans la ville de Champlain et les Québécois profitent de la de saison pour Tenter de les décourager d'aller s'établir en amont, au milieu de nulle part. Bon. Le gouverneur de Montmagny se fait fort d'une proposition plus raisonnable, d'un emplacement plus accessible sur l'île d'Orléans. Au fond, s'il avait choisi de rester là, probablement qu'il serait encore là avec les mêmes costumes. Je veux dire, euh, comme les Amiches, parce que l'utopie apostolique et missionnaire avait sans doute plus de chances de s'implanter sur l'île d'Orléans qu'à Montréal. La campagne de démoralisation exaspère Maisonneuve. Il se méfiera toujours de Québec par la suite. Il n'y remettra presque très rarement les pieds. C'est des choses qui remontent à loin, vous savez. <laughs> Monsieur Paul est habituellement réservé et mesuré dans ses propos. Mais cette fois, il y a son voyage et ce fin d'une déclaration péremptoire avec une autorité qu'on ne lui soupçonnait pas. « Je me rendrai à Montréal » Même si tous les arbres de l'île se changeaient en Iroquois, il n'auraient su mieux prédire l'avenir. Sans s'en douter, le gouverneur de Ville-Marie a décrit une situation qui attend les Montréalistes pour les prochains 60 ans. Tomber au beau milieu d'une guerre, on va dire, n'était euh, pas dans les plans des fondateurs de Ville-Marie. Ils ont pu croire à instant en être l'enjeu, mais ce n'était pas le cas. Les Mohawks, qu'on nommait alors Agnés, sont engagés depuis un bon moment dans une lutte impitoyable pour imposer leur hégémonie à tout le monde amérindien. Ils ne seront pas loin d'y parvenir quelques années plus tard. C'est-à-dire qu'on tombe dans une guerre qui ne nous concerne pas. Si les procès-verbaux des réunions d'État-major et Agnés existaient pour l'année 1648, voici ce qu'on aurait pu entendre de son grand chef. Jamais. De mémoire d'homme rouge n'aurait-on vu une machine de guerre plus efficace que la nôtre Je dis qu'il faut exploiter notre avantage. Je dis qu'il faut frapper partout, sans répit, sans arrêt, sans merci, sur tous les fronts. Je dis que c'est maintenant qu'il faut s'engager dans une guerre totale avec nos ennemis. Et je dis que d'ici cinq ans, même avant, les cinq nations auront exterminé les Hurons, écrasé les Neutres, battu les Pétuns et les piscines, les Iroquais, les Outaouais, ébranler les Mohicans, déstabiliser les Abenakis et assimiler les aériens. Les Français ne comptent pas. Il suffit d'intensifier la guérilla pour les terroriser et les garder prisonniers dans leurs forts. Je dis que notre objectif est de prendre le contrôle absolu sur tout le territoire qui va des colonies anglaises à la mer. C'est le plan des cinq nations, j'ai dit. Donc, on arrive dans une situation parce que c'était euh, toute l'Amérique ici, là, je veux dire, c'est un pays aussi complexe que l'Europe. Au printemps 1642, la Providence, habituellement prodigue en rêve prémonitoire et en signes de tout genre, demeure coite. Jeunement, ces maisons neuves sont laissées à eux-mêmes. Et le destin, bon prince, accorde une lune de miel aux colons avant que les branches des arbres de Montréal se changent en flèches. Le débarquement sur l'île le 17 mai, comme la fondation de Ville-Marie, se révèle idyllique. Au mois d'août, une deuxième recrue de douze colons, menée par le gardeur de Repentigny, s'ajoute aux premiers arrivés. Pendant tout l'été, les Montréalistes ont l'impression d'être seuls au Nouveau-Monde. Les Iroquois, vraisemblablement occupés ailleurs, ne semblent pas avoir pris conscience de leur présence et de leur installation, dont l'emplacement ne s'est pas avéré un choix judicieux. À la première crue du fleuve, le site s'inonde première réaction de maison neuve est conforme à l'approche mystique des fondateurs. aux grandes eaux les grands remèdes. le gouverneur s'avance jusqu'au bord des vagues qui battent les portes du fort. Où il plante une borne en forme de croix et le regard tourné vers la voûte céleste s'adresse directement à dieu pour obtenir son opinion sur l'implantation. je vous prie, divine majesté, de nous faire connaître le lieu où vous aimeriez être servi. On présume que le grand manitou catholique était à l'écoute, puisque quelques jours plus tard, les eaux se sont retirées. En janvier 1643, au temps des neiges, les colons grimpent au sommet du Mont Royal et plantent une grande croix pour remercier le Seigneur de son intervention et commémorer l'événement. C'est l'ancêtre de l'actuelle Croix de Montréal du Mont Royal, dans sa double fonction d'ex-voto et d'antenne de communication. Dans un premier temps, tout semble obéir à la logistique. De la logique des votes. En juin 1643, Ville-Marie passe abruptement à l'heure amérindienne qui deviendra l'heure de Montréal. Les Iroquois attaquent les intrus et l'escarmouche fait cinq victimes. Pour une population qui ne compte que 40 hommes, c'est un revers sérieux. Une fois remis de leur choc, les survivants s'attendent à une riposte vigoureuse de Maisonneuve dont la première mesure défensive a été de mettre tout son monde à l'abri derrière les murs et les palissades et de confiner les activités à l'intérieur du fort. Il ne faut pas plus. Je dis, Il n'en faut, faut pas plus pour qu'on en accuse le gouverneur d'être lâche. Hein? Bon. Mais son œuvre est assez expérimentée dans l'ordre militaire pour ne pas confondre courage et témérité. Il invite les colons à en prendre le mal en patience. « Nous ne sommes pas assez nombreux pour prendre des risques », non sans justesse. Ce bon vieux Paul n'est pas un foutre de guerre, mais ça le tue l'upine tout de même qu'on ne pleine une lavette. Au printemps de 1644, contre toute attente et la surprise générale, il prend la tête de 30, 30 hommes pour effectuer une sortie contre les Iroquois. C'est une foucade qui aurait pu provoquer ce que nous redoutait le plus, l'annihilation pure et sainte de l'établissement. Pendant quelques secondes, qui vont sembler durer des heures, le sort de Ville-Marie va tenir à la mise à feu d'un pistolet. Les mondialistes, encerclés par 200 Agnés, sont sur le point de manquer de munitions lorsque M. de Maisonneuve se retrouve seul dans une clairière, isolé dans un face-à-face -face avec son vis-à-vis Iroquois. -vis, les guerriers Agnés suspendent leur attaque et laissent à leur chef l'honneur d'expédier son rival dans l'autre monde. Le silence gagne tous les combattants. Les deux opposants se toisent comme dans un western. Chant. Contre chant. Chant. Le chef Iroquois brandit son tomahawk et s'élance. Braisonneuve lève son arme et tire. L'Indien s'écroule. Le pauvre n'avait aucune chance. Mais non, c'est une feinte. Il se relève. Grand Dieu, le gouverneur n'arrive pas à met son deuxième pistolet. Les Montréalistes ferment les yeux. On entend une détonation. Ils ouvrent les yeux pour avoir effectué un rapide voyage de Dieu en France. Dieu soit loué! Monsieur de Maisonneuve est toujours debout et son rival a mort du la mousse, ou plus exactement, a rougi de la neige. Nous sommes en forêt au printemps. Là. Les ennemis se retirent et Maisonneuve retourne au fort en vainqueur, portant triomphe par ses compagnons d'armes. Dans tous les récits du temps, lorsque les Iroquois attaquent, ils sont toujours deux ça <laughs> Lorsqu'ils se retirent, les mêmes témoignages demeurent muets sur le nombre de victimes amérindiennes. Les Agnés ne quittent jamais un champ de bataille sans emporter leur cadavre de leur, de leur, les cadavres de leurs guerriers sur leur dos. C'est leur façon de frustrer l'ennemi de sa victoire. M. Paul a fait taire ses détracteurs. Excusez-moi, je vais prendre un peu d'eau. M. Paul a fait taire ses détracteurs. C'est un homme brave et un brave homme. Sa première sortie contre les Iroquois sera néanmoins sa dernière. Ville-Marie est désormais assiégée en permanence. Pendant les longues absences de Maison-Neuve, occasionnées par d'interminables allers-retours en France pour régler ses propres affaires, celle de la Société Notre-Dame et ramener quelques colons, la Défense de Montréal est assurée avec brio par un véritable héros, le notaire-soldat Raphaël Lambert-Closse. On sait de lui qu'il possédait une bibliothèque de 25 livres, dont, si l'on se fie au style de ses déclarations, sûrement quelques romans picaresques. Je suis venu à Ville-Marie pour y mourir, pour Dieu. Et si je savais que je ne dusse point y périr, je quitterais le pays pour aller contre le Turc, afin de ne pas être privé de cette gloire. On ne l'a pas nommé en vain ami des braves et fléau des poltrons. Ses actions sont à la hauteur de sa réputation. Lorsque les inévitables 200 Iroquois attaquent l'hôpital fortifié, ils repoussent leurs assauts de 6 h du matin à 6 h du soir, des journées complètes, hein? accompagnés de 16 hommes et de deux valets pour recharger ses deux pistolets. Pendant qu'un en tirent un, l'autre, il le charge, ça, ça dure toute la journée. Lambert Loss est, est assisté d'un animal mythique, la chienne pilote. Vous savez, on ne possède aucune description de l'allure physique de Maisonneuve ou de Mademoiselle Mans, encore moins de la plupart des gens qui étaient là. Pas de portrait psychologique, on n'a rien. L'inventaire notarié post-mortem des biens de la fondatrice de l'Hôtel Dieu nous a révélé qu'elle possédait plusieurs coffres à barure sans clé. Avait-elle la manie de les perdre ou était-ce le signe qu'elle n'était pas attachée au bien de ce monde? Sûrement la deuxième option. Ni Mademoiselle Mans ni Maisonneuve n'ont jamais possédé à titre personnel... Une parcelle de terre qu'on a concédée aux colons à partir de 1647. En revanche, on sait tout, mais tout sur la chienne pilote. Il y avait dans Montréal une chienne qui jamais ne manquait d'aller tous les jours à la découverte, conduisant ses petits avec soi. Et si l'un d'eux faisait le rétif, elle le mordait pour la faire marcher. Bien plus, si un de ses chiens retournait au milieu de sa course, elle se jetait sur lui au retour pour le châtier, relate le père Jérôme l'Allemand. Si elle découvrait dans ses recherches quelques Iroquois, elle tournait, tirant droit au fort en aboyant et donnant à connaître que l'ennemi n'était pas loin. Sa constance à faire la ronde tous les jours aussi fidèlement que les hommes, commençant tôt, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Sa persévérance à conduire ses petits, à les punir quand il manquait à la suivre. Sa fidélité à tourner court quand l'odeur des ennemis frappait son odorat et aboyait toutes ses forces en faisant face aux côtés où les ennemis étaient cachés. Tout cela donnait de l'étonnement. Il n'y a rien d'aussi complet sur aucun personnage qui est du début. <laughs> Bref, l'aboiement de la chaîne pilote était le 9-1-1 du temps. <laughs> et l'amberclos, la première unité d'intervention tactique. Les Montréalistes, comme on les nomme, ne sont pas les seuls à être sous l'attaque des Iroquois en 1647. Non. La communauté Alconquine est sous le choc. Son plus célèbre chef, Pièce-Carré, vient de disparaître dans une embuscade Iroquoise. La terreur des Iroquois n'est plus. Si Lambert-Loss était un héros défensif, le loup solitaire est un héros offensif. Parmi ses exploits homologués, on lui accorde d'avoir traqué à lui seul une bande iroquoise pendant 34 jours et 34 nuits, et d'être revenu de sa chasse avec 54 scalpes. Comment expliquer qu'un guerrier aussi accompli ne se soit pas méfié de six Iroquois qui l'ont assailli? Ses frères d'Amalconquin laissent entendre qui avait beaucoup fervé depuis sa conversion. Là. Il dit « Pièce carrée n'était plus pareil, il faisait confiance à tout le monde ». En 1649, le père Brébeuf est disparu de façon tragique dans la tourmente iroquoise et les jésuites ne peuvent plus maintenir leur mission à cette maladie des Hurons. Le père Ragnaud doit se résoudre à y mettre le feu, non sans regret. Dans une heure, il ne restera plus rien de nos efforts depuis dix ans. Maintenant, tout est en flammes. La chapelle, la résidence des pères, celle des laïcs. La menuiserie, la forge, la maison de retraite, l'hôtellerie, la ferme, les quatre bastions de pierre et le pont-levis. C'est ma seconde patrie qui s'en va fumée. À Montréal, au printemps de 751, on touche le fond et le taux, les taux se resserrent. On vit confiné dans les murs du fort, on n'ose plus sortir, tout le monde est aux abois, désespéré et que l'on ne parle que de repartir. Non mais quest que ça donne de découvrir la vastitude des grands espaces, c'est pété aux frettes dans un carré pas plus grand qu'une oubliette, grogne un ancêtre d'Yvon Deschamps. <laughs> la position est intenable. C'est à ce moment-là que Jeanne Mans prend une décision qui va sauver Montréal et lui accorde, à mon avis, le statut de fondatrice. La ville avant l'hôpital. Elle dispose d'une somme importante, 22 000 livres pour la mise en œuvre de son projet. À Vienne pourra sa décision est prise. Le gouverneur partira en France avec l'argent de son hôpital pour lever une recrue et ramener des soldats et des colons. Les mots de départ de Maisonneuve traduisent l'extrême gravité de la situation. Je tâcherai d'amener 200 hommes. Si je n'en ai pas au moins 100, je ne reviendrai pas. Il faudra tout abandonner. À Québec, on compte Montréal comme perdu. La ligne de défense a été repliée sur trois rivières. L'incessante guerre de nerfs que mènent les Iroquois s'avère diablement efficace. Jeanne-Mance elle-même n'arrive pas à contrer le mouvement de déprime générale. Mais on peut vaincre la peur, penser les blessures, mais il n'y a point de remède pour contrer la détresse de ceux qui savent qu'on est déjà résigné à les compter comme disparus, note-t-elle avec lucidité. là est partout à la fois et au milieu de, tout, de, de tous ses malheurs, le rire reprend parfois ses droits. La bonne femme Primo, qui était sortie du fort, est coincée par trois Iroquois. Au moment où l'un d'eux est sur le point de la scalper, elle a une réaction imprévue que des témoins ont pu constater des visos. Il faut croire que la primo n'était pas complètement assommé. Hein. C'est un fait parce que l'agné n'avait pas eu le temps d'y poigner les cheveux quand il avait pogné le wabizi, puis quand il serrait les avec la force, comme on dit, du désespoir. Le sauvage, lui, pensait que l'humanité était n'était pas sorti par la, la calotte du bonnet. Nous autres, on est arrivés juste à temps pour le voir prendre le bois. Il y a la manie qui courait. On aurait dit qu'il voulait lasser ses macassins en même temps. On a aidé à Primo à se relever de ses émois, puis à se relever tout court, puis dans l'énervement, quand il y en a un de nous autres qui a voulu l'embrasser de joie, il n'y a pas à la surprise reçu pour une claque d'en face? Qu'est-ce que vous faites là, madame Primo, on a dit? Elle nous regarde pis. Elle nous répond ben, bête de même. Parle-manda, je pensais qu'il voulait me baiser lui-ci. On a ri, parce qu'on a que l'Indien a hurlé. Au printemps de 1653, le gouverneur d'Aïbou, Dépêche sa mission de reconnaissance annuelle pour vérifier si les Montréalistes répondent toujours à l'appel. Pour minimiser les risques, les ordres sont stricts, n'acaustique qu'après avoir constaté les signes de vie. Enveloppés par la brume qui couvre le fleuve, la barque de la patrouille se présente à la hauteur de l'île au petit matin, s'approche de la rive, s'immobilise. Prends, après un long moment d'écoute, qu'aucun son humain ne vient troubler, les soldats se signent rapidement et repartent hélico vers Québec. Ville-Marie n'est plus. Rapporte la patrouille à son retour. Ben, C'est une fausse nouvelle. Mais on est parvenu à ses fins et il revient à Montréal en septembre avec une recrue, une centaine d'hommes, quelques filles à marier et un nouveau personnage qui va marquer, marquer l'histoire de Montréal et la vie de M. Paul, Marguerite Bourgeois. Dans les mots de la future institutrice des Montréalistes et des Indiens, la traversée était aussi éprouvante que trempée. Alors, après avoir navigué 300 lieues en mer, il nous a fallu rebrousser chemin. Le Saint-Nicolas, le bateau sur lequel la recrue des colons avait pris place, était pourri. Il faisait haut de toutes parts. De retour au port, M. de Maisonneuve a dû consigner les soldats sur une île pour, les, pour prévenir les désertions. Et encore une île d'où ils ne pouvait s'échapper à la nage. Mais tout cela est du passé. Les Montréalistes ont poussé un soupir de soulagement à l'arrivée de la recrue et avec eux toute la Nouvelle-France, puisque la chute de Montréal leur a entraîné celle des autres avant-postes. Avec en arrière-plan le répit d'une trêve qu'on a abusivement appelée une paix avec les Iroquois, la vie reprend ses droits. Le chirurgien Étienne Bouchard propose aux familles de Ville-Marie. Les soigner gratuitement, moyennant 100 sous payés annuellement en deux versements. 26 d'entre elles ont adhéré à l'assurance-groupe. Sans le savoir, pour ne pas crever de faim, le chirurgien a inventé l'assurance-maladie. Si M. Paul était l'homme que Marguerite avait vu en rêve, elle est maintenant la femme que Maisonneuve voit dans son éveil et son sommeil et dans sa soupe. Bon, le gouverneur a accompagné 13 mariages hein, de ses vœux de bonheur, et dans l'euphorie des noces, s'est laissé gagner à l'idée qu'on voilà à son tour. Il en fait part au père Pujol, le jésuite de service. À 43 ans, mieux vaut tant que jamais. N'a-t-il quelqu'un en vue, lui demande le jésuite? De toute évidence, c'est oui. Ben, il dit, écoute, mon Paul, la seul moyen d'y passer, l'arrêté d'y passer, mon Paul, c'est de lui présenter votre demande. Maisonneuve prend son courage à deux mains. Marguerite Bourgeois l'entend avec un peu d'étonnement. Il lui demande un temps de réflexion, puis finalement lui proposer une solution qui met irrémédiablement fin à ses espoirs. Tu devrais prendre un vœu de chasteté, mon pote. <laughs> si Marguerite Bourgeois veut rester chaste pour se vouer entièrement à ses bonnes œuvres, celle d'éduquer et d'enseigner à tous les enfants de Nouvelle-France, elle ne veut pas pour autant se voir cloîtrée pour le faire. Pour garder sa liberté d'action, la fondatrice des Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame devra se battre contre les vues de monseigneur de Laval qui jusqu'en 1669 verra d'un mauvais œil ces sœurs qui vont et viennent partout là où l'on a besoin d'elles. Le Boréal Express, journal d'histoire du Canada, nous apprend aussi que c'est finalement en 1771 que Marguerite obtient gain de cause. Le roi accorde alors à la congrégation de Notre-Dame ses lettres patentes. Mais revenons à monsieur de Maisonneuve qui malgré son inclination son désir pour Marguerite ne peut lui non plus se réserver cette femme. De toute façon, ça ne changeait pas grand-chose. L'administration de Ville-Marie l'occupe de plus en plus. Montréal s'adonne à la tête des fourrures et Maisonneuve est l'un des rares à ne pas être associé à cette pratique. Malgré la trêve, la guerre amérindienne ne connaît pas de relâche. En 1657, la presque totalité des 400 Hurons de Québec auxquels le gouverneur Louis d'Ailleboux avait fortement conseillé de retourner vivre chez les Iroquois, sont massacrés de sang-froid sur le Saint-Laurent par des Onantaguis qui les escortaient. Pour Daïbou, qui avait désarmé ses alliés au préalable, parce que dans l'attente la, de paix, il désarmait les, ses alliés, c'est non seulement une faute politique, mais une action d'une inexcusable lâcheté. Il en convient et demande solennellement pardon aux Hurons. Pour la légende dorée, 1660 est l'année du long-saut, l'année où Dollar des Ormeaux et ses 17 compagnons montréalais ont donné leur vie pour sauver la colonie de la destruction de par les Iroquois. Ce n'est pas une opinion partagée par ses contemporains. Le premier arrivé sur les lieux a été Pierre-Esprit Radisson. De retour de l'Ouest à la tête de 300 Indiens et d'une flottille de 60 canaux chargés de fourrures. Le coureur de bois s'est arrêté au Lonceau, qui, à son témoignage, avait été vraisemblablement le théâtre d'un combat terrible. Partout, on aperçoit des arbres mutilés, criblés de balles, une palissade à demi-calcinée des scalpes qui achèvent de pourrir au mur des pieux. Il semble bien que les Montréalistes soient tombés dans un piège qui nous était destiné. Près deux ans sans traite, c'est le chargement de fourrure de radissons et de dégrosé qui a sauvé Montréal et la colonie. D'ailleurs, Marie de l'Incarnation elle-même ne s'y trompe pas quand elle le décrit comme une manne céleste. Le problème, c'est qu'une fois dans à Québec, le gouverneur a confisqué une partie de, 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 son, de sa récolte et c'est pour la raison pour laquelle Radisson est passée aux Anglais. Les mésaventures du chirurgien Bouchard font la joie des Montréalistes. Il y a la manie des procès, deux en 1660. Au premier, il était condamné pour vente illégale d'eau de vie. Le, su le sujet du deuxième était plus délicat. « Ouais, j'ai poigné Jean-Aubuchon en flagrant délit avec ma femme. Il est poursuivi, puis le gouverneur m'a donné raison, il a banni Aubuchon en Trois-Rivières. » Le même Aubuchon, qui détient un billet de la main de feu de l'Ordre des Ormeaux, où ce dernier s'engageait à rembourser un prêt au retour de son expédition pour sauver la colonie. Un retour accompagné de quelques fourrures, sans doute. En 1660, la Société du Saint-Sacrement est mise sur la touche. Elle sera dissoute cinq ans plus tard. Royer de la Dauversière meurt ruiné et insolvable. Le décès du dernier membre vivant du quatuor initial avec Fancan, Renti et Olier marque la fin de la société de Notre-Dame qui n'a guère d'autre choix que de céder la seigneurie de Montréal aux Sulpiciens. Deux ans plus tard, lambert à la tête de 26 hommes, flanqués de ses deux domestiques pour recharger ses armes, fait le coup de feu contre 200 Iroquois. Tout à coup, le major s'écroule, son premier domestique a pris la fuite et son deuxième pistolet s'est enrayé. Le héros de Montréal n'est plus. En 1663, une suite de tremblements de terre secoue la Nouvelle-France. Un grand bas équivalent bouleverse la cour de Louis XIV, l'arrivée aux finances de Jean-Baptiste Colbert. Au même moment, la Compagnie des 100 associés cesse d'exister et remet le territoire à la couronne. La compagnie des habitants qui monopolisait le commerce des pelletries disparaît à son tour. Dorénavant, Louis XIV dirigea les destinées du Canada. La première conséquence du Grand Bardat de Versailles se fait sentir en Nouvelle-France en 1665. Un nouveau gouverneur, M. de Courcelles débarque à Québec suivi d'un nouvel intendant, Jean Talon, et de la première douzaine de chevaux à mettre le sabot sur le sol canadien. Les 80 filles du roi passent relativement inaperçues, dans la avec les chevaux d'abord, puis ensuite la commotion suscitée par l'entrée en scène du régiment carignan salière son commandant-en-chef, le marquis Tracy. Ne se déplace pas sans être entouré de 24 gardes, avec quatre pages pour ouvrir la marche et six laquais pour la fermer. Le lieutenant général n'est pas un homme ou un militaire, c'est un soleil avec ses planètes. Dans les lieux de Québec, c'est amplement suffisant pour créer l'événement. Marie de l'Incarnation est toute émoustillée. Jamais la colonie n'a connu une telle munificence. Ursuline rajeunie de redevenir un tantinet mondaine. C'est sans doute la femme qui parle à moi, mais ces trois messieurs de Tracy, de Courcelles et Talon sont tous trois d'une taille avantageuse et à un extérieur prévenant, joignent beaucoup d'esprit, ça change les petits français. <coughs> un des premiers gestes de la nouvelle administration a été de signifier clèvre, cavalièrement sa disgrâce au gouverneur de Ville-Marie. M. Tracy lui accorde une permission non sollicitée. De retourner en France pour ses affaires personnelles après 24 ans de loyaux-services. Renvoyé quand même à M. de Maisonneuve est parti pour Paris en rapportant le projet des vaux dans ses bagages. Malgré ses 20 compagnies et ses 1200 soldats, le régiment de Carignan n'a pas eu l'effet escompté dans la lutte contre les Iroquois. Après deux expéditions ratées. La troisième, lancée en plein hiver, n'a été qu'une longue marche pénible et insensée qui a semé derrière elle une soixantaine de victimes du froid et de la faim. La progression à l'européenne de l'armée ne lui a pas permis de... Pas compliqué, il entendaient venir à 50 000 à ronde. C'est simple, pas compliqué, là. je dis, il trop de bruit. Alors, ne lui a pas permis de capturer un seul... Oui, c'est ça. La progression à l'européenne de l'armée ne lui a permis de capturer qu'un seul guerrier agné. Hein, c'est un vieillard artritique qui n'a pas eu le temps de se cacher dans les bois. L'avis de Charles Lemoine sur le gouverneur de Courcelles est des plus réservés. C'est un Français. Se battre en hiver puis se battre contre l'hiver, c'est comme ne rien savoir puis s'obtenir à rien savoir. Jacques Lebert est le beau-frère de Charles Lemoine et ils sont partenaires d'affaires dans le commerce des fourrures. Il est également le propriétaire du bac qui assure le transport entre Montréal et Québec. Est-ce que la nouvelle donne administrative a amélioré les relations entre les deux villes? Si on avait posé la question à Lebert, sa réponse aurait été c'est pire que jamais. Mm -hmm. Québec porte peu à terre depuis que Colbert en a fait la capitale de la colonie. Ben, ce n'est pas nouveau. Mais ce qu'il y a de nouveau, c'est le Conseil souverain. Le roi lui a donné la main haute sur tout et sur toutes, et il n'y a pas un mont qui y siège. C'est pas parti pour changer, hein? Québec est près de Paris, c'est la porte vers la France, la porte extérieure. Tandis qu'à Montréal, on est près du pays, on est abouché à tout ce qui se passe sur le continent, c'est la porte vers l'intérieur. On regarde par en avant, pas par en arrière. En 1667, le marquis de Tracy est de Québec avec toute sa pompe et sa maisonnée, comme il était venu. Le bilan positif de son passage militaire en Nouvelle-France se résume aux 400 soldats. De son régiment qui ont choisi de s'établir. Les officiers qui ont, les ont imités se prévalent des gratifications qu'on leur a offertes. La liste de leurs noms donne l'impression de parcourir celles des municipalités et des cantons du Grand Montréal. De Chambly, de Contrecoeur, de Boisbriand, de Sorel, de Saint-Ours, de Lanorais et de Berthier pour les capitaines qui ne repassent pas en France. De Varennes, de la Valtrie, Provost pour les lieutenants. De vêchères et de la naudière pour les enseignes. Le premier gouverneur de Montréal s'était à Paris en 1676. Depuis son retour en France, il habitait un petit logement au deuxième étage d'une maison située près de la Porte-Saint-Victor, où il partageait son modeste ordinaire avec un fidèle serviteur qui sera presque le seul à suivre son cercueil. Monsieur de Maisonneuve ne parvenait pas à oublier le Canada. Il avait fait construire, dans la cour de son logement, une cabane indienne. Qui détonnait étrangement dans le quartier, raconte Louis Fin. C'est là que le gouverneur recevait et se faisait relater les événements les plus récents aux rares occasions où lui arrivait une visite de Ville-Marie. La plus notable était celle de Marguerite Bourgeois lors d'un aller à Paris. Louis Fin, qui avait débouché une bonne bouteille pour l'occasion, se souvient que des bougies étaient presque entièrement consumées, qu'il riait encore de bon cœur de leurs aventures. De tous les nouveaux personnages qui animent la vie montréalaise, le plus fascinant pour Maisonneuve est lier de Casson, un géant qui peut porter deux hommes assis sur, les, sur ses mains. Les sauvages admirent beaucoup sa force d'Hercule et le supérieur des sulpiciens profite de cet attrait pour les attirer vers l'Église, puis confie Marguerite. Quatre ans plus tôt, lorsque son vieil ami a appris que Marguerite et ses sont retournées à La Rochelle sans un sou pour le voyage de retour, il n'a pas hésité un instant. Malgré son peu de ressources, il m'a fait parvenir 100 livres sur le champ. L'ancien soupirant de la maîtresse d'école est un homme de cœur, attentionné, modeste et discret. On ne pouvait reprocher à M. de Maisonneuve qu'un seul orgueil, la fierté de sa ville et de ses habitants, pour lesquels, comme il l'a dit un jour, mes inquiétudes ont été celles d'un père de famille pour ses enfants. Le vieux garçon s'est révélé un très bon père fondateur. Marguerite Bourgeois n'a pas oublié Louis Fin, son fidèle domestique et de la patrie, en l'engageant comme serviteur. La ville où il débarque a peu en commun avec celle qu'il qu a quittée. Montréal est maintenant à l'image de son deuxième gouverneur, François-Marie Perrault, affairé et affaireuse. Perrault a tous les défauts d'un voyou de famille. Il est affronté, insolent, impudent, grossier, ruste, sans gêne et cupide. Mais il n'est pas hypocrite. Abusant de toutes les prérogatives de son rang, il s'enrichit de façon éhontée au vu aussi de tous. Sa nouvelle frasque, lors de la foire annuelle, illustre le nouvel esprit montréalais de manière saisissante. L'incident s'est produit après la cérémonie d'échange de cadeaux qui marque l'ouverture de la saison de la traite avec les Amérindiens. Perrault, passablement réchauffé par l'effet combiné du soleil et de l'eau de vie, et l'eau de feu, peut-être, s'est arrêté devant un lot de peau de castor. Il remarque que le propriétaire est littéralement pétrifié d'admiration pour son chapeau. Le gouverneur propose de troquer le couvre-chef pour ses plus belles, les plus belles peaux du lot. c'est au conclu. Le succès de la transaction aiguise la convoitise du traficat. Euh, Sœur Marie Morin a noté la scène dans les annales de l'Hôtel-Dieu. Elle raconte que le troc ne s'est pas limité au chapeau à plumes. Après, ce fut l'uniforme au grand complet. La bille, le baudrier, l'épée, le juste au corps, les rubans, les bas et les souliers, jusqu'à ce que la dignité du représentant du roi ne, plus, ne soit plus couverte que d'un sous-vêtement. L'épuisement du stock de fourrure de l'Indien a fort heureusement interrompu le striptease du gouverneur. En caleçon, sur la place publique, la trogne enluminée et l'ivresse. Conquérante. François-Marie Perrault étale sa bonne fortune au grand jour. Il incarne au naturel et à l'état brut la raison d'être de Montréal à travers les âges. C'est la passion dévorante qui va susciter les plus folles entreprises, la frénésie qui poussera les coureurs de bois à explorer tout l'intérieur du continent en quête de l'ultime récompense qui justifie toutes les épreuves et toutes les misères faire la passe! avec un peu d'ambition, la passe du siècle. Ville-Marie est morte. Vive Montréal! Dix journées qui ont fait le Québec, c'est dix dates clés qui vous permettent de découvrir les grands moments de notre histoire. Et c'est un rendez-vous sur Vox et sur Unico pour tous les amoureux de l'histoire. À la prochaine.